Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour. L'oracle du petit Lenormand. Donc voici le livret. L'intérieur du livret. L'assistante. Les cartes. Voilà, donc c'est très simple. Il vous suffit de vous poser une question, de choisir l'une des trois cartes. Et en lisant la définition, j'espère que ça répondra à votre question. Alors, bon, ben, j'ai pas d'assistante. Je vais choisir pour vous. Alors, la une, on va la prendre là. La deux, on va la prendre par là. Et la trois, par là. Vous avez choisi. Alors, carte numéro 1. Les oiseaux, mon note. C'est les oiseaux et les souris à chaque fois. Hein. 12. C'est une carte positive. Bon, bah écoutez, on prend ce qu'il y a. Hein. Elle est le symbole de la communication des rencontres et des sorties. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant se situe dans une période propice aux invitations et aux échanges. Elle indique que la période qui arrive sera idéale pour les négociations, les rendez-vous en tout genre, pour les nouvelles relations amicales. Dans un couple, elle est l'indice de partage et d'écoute. Bien que positive, dans un contexte négatif, elle peut représenter les médisances. La maison, et c'est la numéro 4. Qu'est-ce que tu fais, ma chouchou? Tu te promènes? C'est une carte d'ancrage. Elle représente une période de stabilité. Souvent, elle indique que le consultant a une situation confortable et solide. Elle symbolise les habitudes, le quotidien, la routine. Dans un jeu négatif, elle peut parfois signaler un enfermement psychologique ou physique. Oula! Oula, 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 oula! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as dérapé? Bon, ben, dérapage en direct, hein. La carte a volé. C'est la carte de la famille, mais oui, ma chouchou, du foyer, de l'hérédité. Sur le plan professionnel, elle peut indiquer que le consultant travaille chez lui ou a créé son entreprise, voire travaille en famille. Pour un célibataire, elle peut être le signe d'enfermement et donc de solitude. Si le consultant est en couple, c'est la possibilité de développer un projet commun, de vivre sous le même toit ou de construire une famille. Ça balaye de la queue. Oh non, mais regardez, encore les souris, c'est pas possible. 23. Alors, 23. Non, mais c'est vrai, je devrais la connaître par cœur. C'est une carte dite rapide. Au positif, elle représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Au négatif, elle symbolise les choses cachés, les secrets, le stress, les marques du passé, les peurs, les pertes en tout genre, les profiteurs, les voleurs. Sur le plan professionnel, elle peut être l'indice de petits boulots, de petits contrats. Elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité à son milieu professionnel, l'opportunisme. Côté financier, c'est la précarité. En amour, pour une célibataire, c'est la lame des histoires sans lendemain. Pour une question touchant un couple, elle peut signaler un problème lié à l'argent, une crise mineure, un manque de confiance, parfois une usure de la relation. Voilà pour le petit tirage du jour. Bon, en mémoire du dérapage de Cécilia, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre, je ne sais pas s'il y a ça comme icône, vous savez, des traces de pneus, ou mettez des éclairs, ou un truc qui fait ça, là, un truc zigzag. Parce qu'elle nous a fait des zigzags hein, quand même. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Salut, salut!